Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon appétit et bienvenue de retour sur Undermine. D'accord, ok. Eh ben on est reparti. 300 points de vie, augmentation, deux fois la pioche, deux fois le sac d'or. Donc j'imagine que maintenant on va quasiment garder tout l'or en fait, qu'on récupérera. Combattre. Ah, ah, une clé avec un livre. Allez. Oh du cul. Oh. Non. Bon, on va attendre qu'il vide la salle, hein. En attendant, on s'occupe du reste. Aïe. Il y a un steak là-bas. C'est bon, vous avez fini? Ah non, bah ils font popper les rochers. Oh lol. Oh putain. Forcément, on tape toujours sur le même. Hop, ça. Ah merde, il peut nous foncer dessus aussi. Alors là, par contre, on est sûr que... La projection, ça fait pas perdre de dégâts supplémentaires. Donc attendez, la dernière fois, on perdait... On gardait 3/4 de l'or. Putain. Ah oui, maintenant on garde quasiment tout. Hein. On garde 85% d'or. C'est pas mal, hein. À vue de nez, 80. Enfin, 84,9. En fait. C'est quoi ces trucs d'ombre? Il y avait plusieurs vagues d'ennemis. Oh. The Wayland, comme ça on va continuer d'explorer le troisième monde. Putain, là. Gant résineux. Pendentif du berserker. J'ai envie de le retenter. Oh, je veux le tenter, merde. Ah putain, c'est les ennemis qu'on connaît pas. Surveillez vos arrières. D'accord. Ok. Renégat. Aïe 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 aïe. Fouillouillouille. Lol. Ok, cool. Non mais, squelette cramoisi. Ah non, c'est peut-être... C'est pas eux qui font popper les... Mais merde, mais putain, mais... Ah, no brain, no brain. Je suis une grosse merde. Yes. Putain, oui. Nécromancien, hein, d'accord. Est-ce que les tuer... Non, les tuer ne font pas tuer ce qu'ils ont fait popper. Du coup, c'est pas vraiment... des nécromanciens. Lol. C'est vraiment des poppers. Ah non! J'étais en train de sauter. Hein. Putain, c'est chaud! Ah mais du coup... Je vais le retenter. Attendez, parce que du coup, je me demande un truc. Est-ce que... Putain, j'ai pu tout payer, ça c'est cool. Est-ce que... Non, je vais pas faire un câlin au chien. Est-ce que du coup, la salle de défi apparaît systématiquement au premier étage du troisième monde? Mais genre systématiquement. Parce que si c'est le cas, peut-être que c'est signe d'un... d'une salle spéciale qui va donner un event, enfin qui est responsable d'un event ou je sais pas quoi. C'est possible. Parce que si c'est le cas, et moi je renifle. Si c'est le cas, ça veut dire que grosse récompense à la clé, possiblement. What? Faire là. Quoi, ah, faut que je mette une bombe ici. Il y a un signe de cramé. Clé, cool. Je vais me casser la gueule. Ok. Donne-moi une bombe.
S'il te plaît, le zeu. Tu peux sortir du donjon ou t'es obligé de crever? Je pense que je suis obligé de crever. J'ai rien trouvé pour l'instant. Quelque chose qui me permettait de dire que vous pouvez sortir. Ok. Ouais. Non, je pense pas. Je pense qu'on est obligé de tout faire. Hein. Non, non, non! Putain, je me suis trompé de bouton. J'ai essayé de passer derrière l'ennemi pour qu'au retour de la pioche, il se la prenne. Je crois que je suis arrivé pile en même temps que lui. Ok. Non. Voilà, la clé, elle va me servir ici. Alors, plus de vie... Plus de vie. Ouf. Les marchands coûtent plus cher, d'accord. Non mais... Non mais à la fin... Est-ce que... Ah ouais, non mais c'est vraiment l'invitation, ça aussi. Hein. Je suis désolé. Hein. Mais je ne peux pas ne pas faire de run complet avec ça. Popcorn étage 1. Allez, on y va, on le fait. Puis en plus, on a augmentation de bouffe, tout ça, machin. Ça va être cool. Puis dites-vous qu'en plus, on va arriver comme ça à étage 3. Parce que je ne doute pas un seul instant qu'on y arrivera à étage 3. Putain, mais ils sont apparus, c'est pas possible. C'est genre maintenant que j'ai eu accès au troisième étage, il y a des monstres en plus dans le premier. On frappe de plus loin. Moins de dégâts. Plus loin. J'ai pas de bombe. En bas, il y a une salle secrète. Aïe! Putain! Ok. Ok. Non. Voilà, putain, je prends vraiment beaucoup plus loin. Ça, c'est cool. La hache et ma hache. Attention. Ah, le verre, il s'est pris les... Le verre, il a popé sous les scies. Nice. J'ai une bombe. Salle secrète. Hop là! Yes! De la thune! Masse de thune! Thune everywhere! Non! Nice! 2000 balles! Deuxième étage, 2000 balles. Parfait. Et ma hache noire! Putain! Ok. Cool. Merde. J'avais pas vu. Lol. Nick. Nick. C'est à moi. Oh. Ok. Mais lui, l'ennui, c'est qu'il va se barrer. Il va se casser la gueule dans les... Faut que j'arrive à le minder pour... Détruire le plus de rochers possible sans qu'il se casse la gueule dans le trou. Viens par là. Voilà, viens ici après. Voilà. Ah merde! Le recul. Oh. Ouais, j'ai pas assez de maniabilité pour contourner la torche. Je l'aurais tenté. De l'or! Non! Allez-vous-en! Non. Qu'est-ce que tu me proposes?
Mais du coup, ça coûte plus cher. Steak doré permet d'obtenir de l'or et de la vie. 165 pour 165. Ah, ça m'a pas donné tant d'or que ça. Petite bombe en promo, j'achète. Et ça, c'est augmente temporairement les tests d'attaque. Oh, c'est pas mal, mais pas tout de suite. Attendez, j'avais des... Ah oui, voilà, il fallait une bombe pour péter un rocher là-bas. Tac là. Boum. Oh. Putain, merde. Pour moi, ça. Permet d'infliger et de subir des dégâts sur... Oh, c'est pas dingue. C'est pas cool, ça. On s'en va. Hop là. Faites-moi un don pour que je puisse mettre un glaçon dans mon orge. Oh bah alors, t'arrives pas à payer ta facture d'eau? Alors n'hésitez pas à faire des dons du coup, hein, évidemment, l'entièreté des dons sera reversée à la facture de Bélou. Putain de l'orge, c'est tellement bon, sirop d'orge. Le lait orge. C'est une tuerie, c'est tellement une tuerie. Yes, une bombe. Yes, une bombe. Yes, un steak doré. Ah bah oui, doré, parce que j'ai l'augmentation, d'accord. Nice. Non, putain, j'allais déposer une bombe quelconque. Ah, bah tiens. Oh, nice. Oui. Cool. Cool. Tiens, faites-moi cette merde. Nice. Roche pétrifiée, du coup il y a plus d'objets dans les roches. Genre beaucoup plus. Oh, j'ai pété les scies. Trop fun. J'ai dit un glaçon, pas un stalagmite de calcaire. Coca-orja, c'est pas mal non plus. Coca-orja? Oh putain. Alors faites un don aussi pour payer les frais médicaux de Melref pour son pacemaker, visiblement. Ah non, mais Coca-Orja, laisse tomber. Tu fais ça, tu fais une attaque cardiaque directe. Au bout d'un moment, le sucre, faut arrêter. Oh, nice. Dans le fond. Ah non. Lol. Ah non, il aurait pu péter les rochers. Oh. Trop bien. Ah, mais il les récupère automatiquement, je voulais les laisser... Ah ouais, mais peut-être que si je les laissais, les autres, ils allaient me le piquer. Non. Nitroglycérine, il vous fait lâcher des bombes en permanence. Dans une salle avec plein de rochers, ça peut être très utile. Et donc ça, c'était... Ah oui, subir et faire plus de... Bon, on va descendre. Oh putain, la ligne droite. Ah, genre, regardez ici. Ah, l'enfer! Ah, il est pas allé là où je voulais, hein. Oh, rien! Oh, le nombre de fois qu'il a eu ses décuplés. Si j'arrête le sucre, je meurs. Mais non! C'est une question d'habitude. Puis il y a différents sucres. Tu peux tester le fructose. Tu peux tester le sucralose. Tu peux tester... Merde, comment ça s'appelle déjà le sucre? Mystérieuse boise invitant aux désastres. C'est un objet. Il y a un marqueur 10 dessus. Avant que son groupe ne soit disséminé, Kurtz ait le bon sens de stocker certaines affaires par précaution. Certaines affaires par précaution. Le sucre de canne. Mais non, c'est du saccharose aussi, ça. Ah, quoique, non, peut-être pas, en fait.
Mais non, c'est pas du saccharose. Si, j'en sais rien. Le sucre de canne. Non ? Je sais pas. J'en sais rien. Peut-être qu'en vrai, le sucre de canne, c'est un extrait, il rajoute du sucre dedans, ça. Je sais pas comment c'est fait, en vrai. Je sais que ça vient de la canne à sucre, évidemment, mais... Donc ça, le steak doré, on a vu que ça valait pas vraiment le coup. Par contre, je vais prendre la bombe. J'ai deux clés. Aïe ! Oh, putain, pas cool. Lol. Viens là. Non mais, t'es sérieux, là ? Viens là. Ok. Y a plus rien, viens là, je vais te tuer. Non, mords pas. Ok. Bon, tant pis, il m'a rien donné. Witch. Witch. Non, 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 non. Non. C'est à moi. Objet. Hein ? Coffre simple. Augmente le nombre d'objets dans la boutique. Ah, cool. Avec du miel ? Non. Je pense pas. Non, bah non. Pas du miel. Augmente les apports d'or. Vitesse de frappe augmentée. Vitesse de frappe augmentée. Ça peut être bien, ça. C'est quoi, ça ? C'est je prends plus de dégâts, je crois. Reçois les dégâts supplémentaires. Ouais. Autant le plus 10% dans la boutique, je m'en fous. Autant là... je suis pas fan, là. Ah, putain, je l'ai vu qu'au dernier moment. Moi, que ça doit être plus 10% aussi, peut-être. Hé, hey, il a buté les rochers. Trop bien. Encore. Là. Merde. Monte temporairement la vie. D'accord. Merde. Là. Ah. Bute-moi ça. Là. Hop là. Attention. Là. Hop là. Yes. Trop bien. Non, non, non. Yes. J'ai failli détruire le machin. De la vie. Attends. Va-t'en. Putain, bah oui, mais évidemment, avec étant donné que la bouffe d'or, c'est de l'or, ça synergise avec la... avec le popcorn. Putain, je viens de réagir que maintenant. Trop bien. Ah, Révarine, je sais plus comment tu... Révarine, je sais plus comment tu m'as demandé de t'appeler. J'ai oublié. Yes. Comment vas-tu? De retour. Ouais, c'est la référence. Ah, peut-être. Nerevar, putain, voilà, c'est ça, merci. Excuse-moi, j'avais oublié. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu nous racontes de beau? C'est quoi cette potion? Ça augmente temporairement la vie. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est pas excellent, excellent. C'est pas fou, furieux, ça. Allez, hop, on descend. Ça va, et toi? Oui! J'ai battu le deuxième boss, first try du premier coup. Mais genre, vraiment. Le vrai first try du premier coup. De la réalité véritable. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, notre session n'aura pas été vaine. Et là, on se fait masse de thunes. Mais est-ce que tu connais ce jeu? Undermine. Yes. Le vénère. Raven, ce serait plus classe. Oh non, Raven, c'est saut les années 2000, ça. Ah non, non, faut pas que je... Oh, faut qu'il me bute les rochers. Aïe, aïe, aïe. Ok. Attention. Là. Ok. Il y a un ennemi là-dedans. Là. Ok. Ah. Oh, mais je suis vraiment mauvais. Là. Yes. Coffre en bouteille. Oh yes, un coffre en bouteille. Là. Ok, une bombe. Là. Yes. Un coffre. Ah. Non. Laissez-moi ça. Ah, mais je me fais... Ah, mais non. C'est quoi ça? Non. J'en veux pas. Là.
ce rocher là. Et après, on peut le buter. Ah non, il y a deux autres rochers. Oh là là, là. Nice. C'est quoi ça? Ah, peut-être quelque chose pour rien. Lol. Gratuit. Oh lol. Pas besoin de dépenser de clé pour la porte. Et une clé. Et voilà, c'est bon, on peut le buter. Ok, augmente temporairement la vie ou... Ah non, j'ai un rocher là. Augmente temporairement la vitesse d'attaque. Oh, c'est dur à choisir ça. Je pense que je vais prendre le... Qu'est-ce qui se passe en bas? Oh, j'espère que la porte sera toujours gratuite. Oui, bon. Yes. Ok. Oula! Du dégât de frappe. Oui. Ah. Et c'est... J'emporterai moins d'or quand je mourrai. Ah. Ça, c'est chiant, ça. J'ai atteint une idée de ce qu'on peut appeler plus connu maintenant un bug. Mais donc, c'est quoi ce jeu? Ah, bah voilà. Ce jeu... Alors, est-ce que tu aimes les roguelikes? Si c'est... Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Des bombes dans des bombes dans des bombes. Ah, bombe Bouchka, oui, d'accord, les matrioshka. Les fameuses. Ok, bah ça va être cool, ça va me permettre de buter pas mal de... Eh ben voilà, lol. Ok, je vais essayer de vraiment le taper en dernier, lui. Pour pouvoir le maîtriser. C'est un roguelike excellent. Vraiment très complet. Alors, qui n'a absolument rien inventé, hein. Mais rien de rien. Qui reprend que des mécaniques classiques. Mais qui est vraiment très très bien fait. Et qui va permettre... qui est vraiment à beaucoup de trucs cachés, beaucoup de trucs à découvrir. Il est très 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 sympa à jouer. Oh là 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 là. Non! Il m'a pété mon... Non! Non, il m'a pété mon amulette pour m'enlever une malédiction, enculé! Viens là. Oh, la pute! Ok. Ah, par contre, j'ai récupéré masse d'objets. Hein. Là. Elle me crée les boules de feu, je m'en fous un peu. Yes! Ok, un autre talisman. Boum. Dommage, j'aurais préféré l'autre. Apparemment, les dégâts de frappe. Oh. Oh, remarque, ça aurait été mieux. On peut rebattre les boss. Putain, si on peut rebattre les boss, en vrai, je chante très bien. Oh. Qu'est-ce que c'est? Yes! Crème ankylosante. Préparation auprès de l'alchimiste. Cool! Une préparation. Je tenterai bien le boss. Vous en pensez quoi? Enfin, de retenter le premier boss. Merde, non. Il faut que je bois. Voilà. Parce que là, j'ai beaucoup plus de dégâts que ce que je faisais quand je l'avais tué. Donc ça pourrait être pas mal de le retenter. Ah non. Et regardez, le coffre en bas, il est passé à 8. J'ai 12 bombes. Tiens, on va tenter le matrioshka pour voir ce que ça fait. Ah ah ah. Alors c'est cool, mais... c'est cool, mais ça fait peur. D'accord. C'est sympa, les roguelikes. Ah non, mais c'est complètement... Si t'aimes bien les roguelikes, franchement, tu... Je peux que te le conseiller, ce jeu. C'est vraiment un bon roguelike. Beaucoup de choses à découvrir. Et beaucoup de choses à débloquer. Mais relativement long à finir, j'imagine. Ouais... T'as quelque chose pour rien, pour 800 balles. 800 balles, quand même. Un apport de... Oh ouais, un apport de protéines, mais oui. Ça, c'est cool. Et je vais prendre ça, et après, je vais utiliser... Ah oui, non, mais c'est... Ah, dommage.
Oui, c'est ça. Vous avez quelque chose gratuitement pour rien, c'est ça. Et l'apport de protéines. Comme ça, si je suis dans la merde, je pourrais toujours faire ça. Et du coup, ça me donne encore plus envie de retenter le premier boss. Bah, vous savez quoi, je vais le faire. Comme ça, on va voir si, déjà si on peut le retenter. Je pense que oui. Et si vraiment, on peut en tirer masse de blé. Un ennemi là-dedans. Ah merde, c'est vrai que j'étais dans la... Dans le pétrole. Ah! Ah! Non! Dégage! Dégage! C'est mon heure! Allez, je le tente. Oh! Exubérance et un truc de bombe. Yes! Oh, c'est quoi cette main là? Je n'aime pas ça. Réduit la vitesse de frappe. Ah d'accord. Donc il m'a donné un objet pour augmenter ma vitesse de frappe et en même temps il m'a réduit ma vitesse de frappe. Ok, lol. Fait apparaître un coffre. Ok, cool. Faut une clé. Bon, j'en ai plein de clés. Donc, cool. Non. Non. Voilà. Non, 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 non. Rends-moi ça. En plus, je sais pas si t'as vu, mais hier soir, le Varen voulait te raid, mais il l'a fait au moment où c'était terminé. Ah. Ah oui, si, il me l'a dit. Ouais, c'est... Ouais. Non, mais c'est vrai qu'hier... Hier, c'était pas une très bonne journée, parce que le jeu que j'ai testé, il était plutôt chiant, puis j'étais très fatigué. Puis je me suis dit qu'en plus, comme j'étais très fatigué, j'allais me coucher tôt. Donc évidemment, quand on se dit ça, jamais ça n'arrive, hein, évidemment. Je me suis couché encore plus tard que d'habitude. Du coup, je suis tout autant fatigué qu'hier, mais on joue à des jeux bien. Donc c'est cool. Parce qu'hier, j'ai testé un jeu à l'aveugle, en fait. Je vais refaire le boss. Je vais voir si... Est-ce que je peux faire ça? La boire. Tac. Faire la même chose avec la potion au-dessus. Tac. Voilà, comme ça je cumule les deux et on va au boss. Mais ouais, bah c'est quand même gentil de sa part. Yes! Allez, on tente le boss. 429 PV j'ai. Ah non, on peut pas le refaire. Putain, on peut pas refaire les boss. Oh dommage. Oh dommage, on peut pas refaire les boss. Devil Deal. Allez, let's go. C'était quel jeu? C'était Remnants of Nazith. Oh, le bouclier! Oh, puis avec le nombre de PEF que j'ai, ça peut être bien! Oh oui! Prends le bouclier. Donc ça fait que maintenant, on perd non plus des PV, mais des PV max. Mais par contre, le bouclier nous réduit considérablement les dégâts qu'on reçoit. Donc on peut plus vraiment se soigner. Ce qui fait que du coup, bah adieu la synergie des steaks. Mais bon. Honnêtement, on y gagne au change. Voilà, ça fait masse de pèves en plus. Hein. Non, non, ça c'est une grosse pépite, ça c'est pour moi. Boum. Yes. Ok. Je connais pas. Ouais, non, bah, t'inquiète pas, tu grattes pas grand-chose. Hein. Enfin, c'est le genre de jeu qui est très bien, mais faut vraiment, vraiment, vraiment se buter... se buter à le maîtriser à mort pour pouvoir y arriver, quoi. C'est un genre de Meat Boy, mais en super compliqué. Ça fait un peu penser à Dust Force. Là, pour être bon... Enfin, en pire. Pour être bon à Dust Force, il faut vraiment se buter dessus. Et là, c'est encore pire. Les contrôles sont vraiment durs à prendre en main. La mécanique de jeu. Ok. Putain, mais il y a une hileuse. Nick. J'arrive pas. Ok. Des Villepots. Dominique de Villepots. Le retour de Dominique. Il n'était pas mort. Oh oui! Augmente la vie max. Et ça, c'est parfait.
parce qu'on perd de PV max. Ça me permet de rester un petit peu plus longtemps en vie. Vas-y, j'ai 14 bombes. Autant si je, à chaque fois qu'on peut buter au moins deux rochers en même temps, on va le faire. Hein. Bute pas mes trucs. Ah non, ça sert à rien, ça. Ah! Salle secrète! Alors autant dans Isaac, c'est vraiment de la merde, les duplications de bombes, autant là, c'est vraiment cool s'il y en a le rocher machin. Là. Oh, ta mère! D'accord, donc la dernière fois, j'avais bel et bien eu de la grosse moule d'une vie, quoi. Aïe! Putain! Ok, pas de duplication, donc. Ok, cool! Putain, comment elle va vite. Ah, il faut poser des bombes là. Ah non, il fallait péter la... le truc au milieu. Ok, salle secrète à droite. Cool, un autre apport de protéines. Bah, je vais l'utiliser. Ah mais en vrai, l'apport de protéines, il me sert plus à rien. Ça fait popper des steaks dorés, donc c'est cool, ça me fait de l'or. Mais vu que je dépense maintenant des points de vie max et plus des points de vie, ça sert plus à rien. Va mourir. Hop là. Ah. Vous savez ce qu'il faudrait? Un objet qui fait que... Je m'en fous. Un objet qui fait que dans les... Moi je la prends quand même. Qui fait que dans les bombes, il y a des objets... il y a de l'or ou des trucs comme ça. Ça synergiserait tellement avec la Matryoshka. Ah 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 ah. Je déteste cet ennemi. Je déteste cet ennemi. Meurs par le feu. Ok, cool. Lol. Hop là. Ah. Ok. Non, c'est à moi ça. Attends. Je vais péter la... La statue et le rocher qui est en bas. Oh! C'est remboursé. Ah oui. Ouais. Non! Ah. Les arbalétriers. Je les aime pas trop. Aïe. Merde! Je me prends des dégâts, connement. Ok. Cool. C'est bon. Quel connard. Cool. Oh! Duplicateur de bombes! Lorsqu'une vieille bombe est utilisée, une nouvelle bombe est obtenue. Oh, la run à bombes! Allez hop! Duplicateur de bombes. Ça me sert à rien. Et bottes de flottaison... Oh, non, enfin la flottaison, je m'en fous. J'ai 9 clés, vas-y, j'ai besoin de rien. Besoin de rien, en vie. Vous l'avez dans la tête, c'est bon? On peut continuer. La pénitence, ça peut être le bon truc. Parce que si on perd pas des PV max, mais des PV, je peux me soigner. Merde, non, ça peine, ça donne des PV. Ça peut faire. Ça fait perdre des PV max. Merde. Putain, fais chier. J'ai tellement... C'est quoi ce piège à souris, hein? Les coffres sont plus souvent piégés. D'accord, on perd des PV max aussi. Oh, c'est dommage, ça. Lol. Putain, ça aurait été le bon plan de perdre des PV normaux. Bon. Ouais, la salle secrète à gauche, on l'a déjà faite.
Bon, après, ce qui est cool, c'est que voilà, il fait baisser aussi les dégâts qu'on est censé dépenser. Donc en vrai, c'est pas mal. Non. Non. Non, ça c'est à moi. Non, ça c'est à moi. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Non, c'est à moi. Au secours. Dégage. Et je me prends une malédiction. Ah merde, c'est de la merde. Oh, puis les deux, c'était de la merde. Oh, je suis déçu. J'ai un pentagramme. Qu'est-ce que c'est que ça? Les coûts des boutiques sont convertis en coûts de vie. Oh non, dégueulasse! Non! Oh non, c'est dégueulasse, ça! Merde! Mais non, parce que du coup, je perds des PV max. Non, c'est pas juste. Ok, faut que j'arrive à m'enlever mes... Ouh! Faut que j'arrive à m'enlever mes malédictions, là. Ok. Oh putain, c'est un trou! J'ai cru que c'était un bloc. Bah du coup, là, je vais m'enlever une malédiction. Ouais... C'est le pentagramme qui est mort. Ok. Ah! Ok, cool. J'ai 7000 balles pour l'instant. C'est bien. Quoi? Oh non! Ok. Oh, laissez mon or. Yes. Allez, bousin. Non. Non. Je vais péter... Je vais mettre une bombe au centre des... Péter les deux... Oh, nice. En espérant que ça pète aussi l'autre à côté. Ah, salle secrète. Un squelette. Putain, mais il y a tellement de choses à faire dans ce jeu, c'est cool. Nick, j'y vais. Faut les allumer avec une bombe. Ah non. Oups. Ah non, c'est ça qu'il fallait faire. Ah mais ça pète les torches. Bon bah en espérant que du coup si on pète tout ça marche. Non ça marche pas. Tant pix. Je vais accéder au... Oh là là putain mais les bombes. Je vais accéder au shop par une bombe, pas par une clé. Augmente temporairement la chance de coup critique. Non. Steak doré, bon. J'ai rien besoin. Aïe! Ah non, mais ça c'est. Oh non, mais. Oh là là! Oh, calmez-vous, stop! Volez! Lol. Oh! J'ai pris cher quand même. Hein. Ah, je l'avais déjà eu celle-là, c'est quoi déjà? Nourrissez-vous d'aventure. Totem de vie. Ah oui, c'est vrai, à chaque fois que je rentre dans une salle, ça me soigne. Ouais, mais là, ça me sert à rien, parce que je perds des PV max. Ah, dans le mur. Merde, je suis bon les fraises. Qu'est-ce qu'il dit? Ok.
Attends, faut que je surveille pour voir s'il me redonne, pas des PV max. Je pense pas, mais ce serait dingue. Le popcorn qui fait son office. Prends-moi ça. Hop là. C'est pas le bon Makov ça? Ouais, c'est un coffre en bouteille. Pose sur moi. Yes. Ah! Non, ça me redonne pas de PV max. Ah, dommage! Ah, j'ai assez de. D'attaque, de vitesse d'attaque pour les maintenir en loin. Qu'est-ce que c'est? Boutique. Boutiquier. Oh oui! Oh oui! Retire une malédiction. Paf, retire une malédiction. Moi, t'en parles un critique. Lévitation. Oh, vas-y, je le prends. Ok. Eh, il y avait une pépite d'or dans un buisson. Ça veut dire qu'il peut y avoir des trucs chez elle, donc. Ah! Putain, j'ai toujours esquivé parce que je me disais que dans les salles de boutique, il y avait... c'était juste décoratif. Ah. Yes, juste attends. Je me protège derrière le bloc central. Hop. Ah bah attendez, hop, je peux marcher sur le trou. J'ai la lévitation. Aïe. Nick. Ok. Oh bon, on peut péter masse de trucs là. Putain, c'est vrai que c'est trois fois. Mais... m'en fous. Bah cadeau, je suis maintenant dans ton Discord, Tixi. Yeah. Alors, oh lol. Hé, je m'en fous. Trois clés. Oh vas-y, je peux. Tellement bien! Tellement bien! Ah puis en plus, Révarine. J'y arriverai jamais. Ok, y a des nouvelles fonctionnalités que je vais débloquer bientôt sur Discord qui permettront... Je vais créer des petites radios qui vont tourner en boucle avec plein de musique selon l'ambiance que vous voulez. Vous pourrez écouter de la musique quand vous voulez. Avec une très grosse playlist. Ça va être cool. Comment ça j'ai été empoisonné? Non. Ah! Ok. Stop! Arrête tes conneries! Ok, cool. C'est pas du tout. Toujours pas fait enflammer lui? Pas mort par le feu? Drude. Ah putain, est-ce que c'est... Ah, Drude, c'est Drude. Merde, stop. Arrête. Ok. On pourrait prendre une malédiction, là. Parce qu'il nous reste plus grand-chose. D'ailleurs, c'est quoi ce... Non, c'est parce que je voulais prendre. Non. J'ai appuyé sur Y. Je voulais sortir, je voulais pas... Putain, alors j'ai eu une malédiction et un bonus qui me sert à rien. Génial. Je voulais regarder ça. Inflige des dégâts de lancer réduits, en plus. Réduit la vitesse de lancer. Putain. Nick. Fuck. Une clé, je prends. Yeah. Du thorium. Et un nouveau schéma. Pendentif de l'archer, fabrication. Oh, ça peut être cool. Ça va être un truc pour les dégâts à distance. Ça marche. T'inquiète, toujours compliqué au début. Nerevar. D'accord, Nerevar. J'ai oublié dans 2 secondes, t'inquiète pas.
Nick. LOL. Tu brûles. Je suis empoisonné. Stop. Stop, stop, stop. Arrête. Non. Ok. Nerevar. Faut que ça rentre. Ah, salle secrète, peut avoir des salles secrètes et je les vois. Ça c'est cool. Boum. Boum. Une clé. Cool, j'avais besoin de clé en plus. Elle est partie, elle est là. C'est un nez qui rêve. C'est comme une leçon. Tu peux voir qui sont les bons élèves. Là c'est streamer. C'est streamer même. Oui, j'essaye de retenir. Non mais c'est pas... Mais c'est juste que j'ai une mémoire de merde. J'ai une mémoire à chier. Ah! Doucement, enfin. Ah tiens, est-ce qu'il y a des... C'est un emplacement. Attends, mais ça, c'est des emplacements à salle secrète, ça. Ah, il y a des... J'avais oublié la tuile, là. Eh ben non, il n'y a pas de salle secrète. Là. Oui. Non. Va récupérer ça, toi. Merci. Allez, on se casse. Donjon 4. Dernier étage du donjon. Il a un très beau nez. C'est un nez qui rêve. N'est dur, n'est saute, n'est peur, n'est peur. N'est riva. N'est saute. Nick. Yes. Yes. N'est peur. Hop là, elle pète le rocher. Ok, putain, niveau bombe là, on est... Je crois qu'on a assez. Oh, il est niveau max. Regardez, il récupère tout. Ça y est. Il récupère tout. Merde, j'ai pas fait péter d'autres trucs. Oh, putain, il y avait des pics sous les... Oh putain, je les avais pas vus. Il y avait des pics sous les feuillus. Oh, merde. Petite bombe ici, salle secrète. Oh putain! Oh là là, un canari niveau max, c'est pas beau ça. On enlève une malédiction. Cool. De base, c'est le Nerevarine. Astre lune ou tueur de dieu, donc avec Nerevar, ça va en vrai. D'accord. Je peux pas t'appeler du gland comme tout le monde, ce serait facile à retenir. je pense que je l'aurais retenu. Du gland, j'aurais eu plus. Enfin, c'était plus facile pour moi. Je te l'accorde. Pourquoi je l'ai pété? Pourquoi j'ai fait ça? Au secours! Ok. Non! Ah! Ok. Oh, stop. Nice. Vas-y, je pète là. J'ai encore beaucoup de bombes. 5 clés. Ça passe. Oh, la grande ours. Augmente la santé max après avoir mangé de la... Oui. Yes. Ça veut dire que maintenant on augmente la santé max et ça... Putain, ça synergise parfaitement avec le bouclier. Je suis refait. Et voilà. Et du coup j'augmente ma santé max. Oh là 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 là, c'est beau. Yes. Je suis tellement refait. Je suis trop content. Hop là.
Putain, j'ai même plus besoin de me faire chier avec l'or. Putain, et en plus, il faut que j'achète tous les trucs. Oh! Talisman. Mon talisman! Permet d'accumuler de l'or et d'obtenir une réduction à la boutique. L'objet. Oui. Et donc, paf! Oh, ça m'augmente ma vie max. Putain, c'est tellement beau! Est-ce que ça marche aussi pour les cocos? Oh! Non, ça marche pas pour les cocos. Putain. Oh là 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 là, ce run! Ce run! Hop! Et hop! Et hop! Je suis toujours embêté par ça là. Ça va être une petite bombe. Les os! Aïe! J'ai perdu 22 PV. Aïe! Ça fait mal! Putain, mais je récupère des PV max maintenant. Ah, j'ai pas intérêt à me foirer. Je peux augmenter ma vie max. Je vais augmenter ma vie max. Wish 221, ce qui me permet de reprendre encore une réserve de PV. Lol. C'est en haut. La suite. Et du coup, là, on va pouvoir commencer un troisième étage avec un bon stuff. Pas beaucoup de vie, certes, mais avec un bon stuff. Hop là. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes chaud ici ce soir? Salle secrète tout en gauche en bas. Ah merde. Désolé. Vous avez pas lu. Désolé. Eh ben, nique. Tant pis pour moi. Yes! 60 PV max, c'est vraiment trop bien. Je vous refais. Je suis tellement refait. Pas augmenter mes dégâts de frappe. Vas-y. Par contre, c'est quoi cette augmentation des dégâts reçus, je crois. Vie max réduite. Oh non. Fige moins dégâts de frappe et vie max réduite. Bon, en vrai, c'est pas trop grave, étant donné qu'on récupère des... on récupère nos PV avec la bouffe. Ok. La salle, bah tant pis. Ouais, mais désolé. Excuse-moi, j'ai lu le chat, justement. Oh là, oh là, oh là, oh là, stop. Ah putain, j'avais pas vu qu'il y avait lui. Merde. Je me suis pris... J'ai pris tarif. Hop là. Ah putain, c'est tout des dégâts légers. Et regardez, le coffre en bas à gauche. Ah non, vous le voyez pas, il est à côté de moi. Ah, il est derrière ma chaise. Mais... Oh, mais nique. Je suis en train de niquer mon fond vert. Ok. Bon, bref, il y a le coffre, là, qu'on a eu tout à l'heure, avec marqué un 10 dessus. Il n'y a plus que 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il va bientôt s'ouvrir? Oh. Lol, la fourche. On n'utilise pas le truc à distance, mais c'est pas grave. Oh putain, je tire vite, n'empêche. Hein. C'est cool. Ah! Des lanceurs, le lance-rochet. Est-ce que c'est bloqué par... Non, ça se bloque pas, d'accord. Le truc de centrale... Le truc au... Yes! Il y a un truc pour enlever une malédiction, vite! Ok, cool. J'ai récupéré de la vie max, ça veut dire ça. Ah, nique! C'est quoi ce bruit? Oh! Aïe, putain! Trop beau! Ok, il fait tout le tour de la salle pour rien. Ah, yes! Friendly fire! Ah! Permet de dupliquer tous les objets de base dans la pièce. Oh, trop bien! Ah bah, on va dupliquer des... Ah, mais j'aurais pas le temps. J'allais dire, on va dupliquer de la bouffe. Mais je pourrais pas, parce que... étant donné que ma bouffe est dorée... Mon familier va le récupérer beaucoup trop vite. Parce qu'il est au niveau max. Ah, oh, je peux pas péter... Ah, si. Je peux péter les gargouilles. Y'a quoi en bas, hein?
Oh, nice. Merde. Je veux de la bouffe. Donne-moi de la bouffe. Lui. En haut à droite, regardez, le squelette, il a ses pieds... il a ses pieds dépliés. Je suis sûr que du coup, il va se transformer en ennemi. Yes. Ah non. Ah. D'accord, je croyais avoir trouvé un truc. Ah putain, c'est reparti pour la basse... la slap basse midi. Le slap de basse midi. Attends, regardez comment il récupère sa vite. On perd rien. Hein. Oh, Chaster le salé. Hein? Pourquoi? Ah, il a... Merde, putain, j'étais en train de lire le chat, j'avais pas vu que j'avais des pics. Oh, putain! Ok. Évolution du vert. Oh la vache. Rodeur des crits, il s'appelle. Yes. Ça lance des os. Des os, pas des os. Ok. Yes, de la bouffe. Non, 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 non. Je bourre. Ah là 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 là, j'ai pris tellement cher. Je suis tellement mauvais. Putain, j'ai envie de le brûler. Mais non, ça, je peux pas le... Oh, lol. Thorium. Et... un nouveau truc. Potion d'immolation. Ouh. C'est vrai que les potions, pour l'instant, j'ai pas utilisé mon thorium autre chose que pour des objets. Hein. Un morceau de thorium. Oh, trop bien. Ok. Donne-moi de la Vimax. Hop, 227. Donc ça donne pas 60 PV max, hein, ça donne moins que ça. Donc. Augmente temporairement la portée de frappe, d'accord. Coffre aléatoire, je prends. Attends, attends. Est-ce que je peux doubler les objets d'une boutique? Oh, trop fort! Ah, par contre, ça double pas les potions. J'ai surtout fait ça pour la potion. Succès déverrouillé, piraterie. Trop bien. Je voulais doubler la potion. Ah, ça aurait peut-être doublé le petit coffre, par contre. Yes. Yes. 275 PV max. La beauté. La beauté de cette run, hein. La synergie de la vie. Titre de la VOD que je vais oublier. Ah! Oh bah alors là, par contre, alors là, on va s'en faire une joie, là. On va leur en mettre plein la gueule. Ah merde, c'est vrai. Ça lance. Ça balance. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Yes, j'ai récupéré de la vie. Putain. Mais putain, arrête! Ok. Ah mais non, j'ai les bottes de lévitation. Et il a lancé... il a lancé un chapardeur. Ok, nice. C'est un peu de force. Oh oh, oh oh. Oh oh! Ah oh! Au secours! Non! Ah putain, je fais. Oh là là! Nick! Ok, suivant. Yes! Nick. Oh! Y'a combien de vagues d'ennemis? Y'a combien. Oh! Non! Aïe. Ok. Ok.
c'est remis en mode récupère de la vie. Ok, lui aussi, lol. Un en moins. Ah non, deux en moins, cool. Et le troisième, c'est bon. J'ai 357 pep. 381 max. Je suis refait. Clé de la bibliothèque. Oh, salle secrète à gauche. Putain, mais cette partie est... Là, on est là pour finir le jeu, là. Gratuit. Ok. Je prends. J'ai tellement de... Non. J'ai tellement d'objets que... Oh là 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 là. Un jambon doré. J'en profite, hein. La taille des bombes. Lol. Là, je pense que... Là, on est sur un run, on finit le jeu, là. Bibliothèque. Oh. Obtenir... L'œuf. Jeune découvert, esprit, éclosion, auprès du collectionneur. Oh. Oh. Est-ce que je vais avoir un familier? Ce serait trop bien. Livre poussiéreux. Ah, c'est le livre qu'il faut ramener. Oui, avec le nom d'Arcanos inscrit à l'intérieur. C'est le livre qui manque dans la bibliothèque d'Arcanos. Cool. Je peux lire les... Rêve printanier. Avec une faute dans le titre. Ah non. La révolution de Caldab... Ok. Servitude et suffrage. Nice. Putain, Zuto, s'il est là, il va kiffer ça. Attends, je lui prends une capture d'écran. Servitude et suffrage. C'est pour lui. Hommage à mon Zuto. Même s'il est pas là. On descend. J'ai 405 PV max. Je perds des PV max. Je récupère des PV max quand... Oh mon dieu. Quand je prends de la bouffe, c'est vraiment the best run ever. On a v'là les objets. On est sur la run de... du siècle, là. Et là, le truc, c'est qu'en fait, je vais diviser la VOD en deux parce qu'elle sera trop longue. Merde. Aïe. Oh putain. Il y a beaucoup de... Il va y avoir beaucoup de blobs là. Hein. Oh oui, je peux pas sauter. Ah oui. Putain, je me suis pas occupé de lui. Je suis trop con. J'ai perdu beaucoup de PV, beaucoup de vie pour rien. Hein. C'est pas grave, on va les retrouver. Allez hop. Putain, mais si vous voulez mettre de la basse dans un morceau, demandez à un bassiste de jouer. Ne prenez surtout pas ça. C'est d'un moche. Là, petit coffre. Oh là là, il récupère tout, c'est magnifique. 11 000, hein, j'ai 11 000 d'or. Ah! Je peux aller récupérer mon objet sans dépenser de clé. Ah mais apparemment il n'y avait pas de... Merde, il n'y avait pas de CO. C'était une salle gratuite. Oh, 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 oh. Concoction instable. Donc l'or explose maintenant. J'ose pas le dire mais Tixie était censé switcher sur un jeu à 21h30. Ouais non mais là on a le run du siècle là. Non mais j'ai envie de dire ce serait dégueulasse de le quitter maintenant là le run. What the fuck? Alors si vous voulez vous plaindre à quelqu'un, plaignez-vous à Chiu. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu combien de points de vie là? J'étais à 350! J'ai pris 3 coups, ils enlèvent 150 par coup, vous allez me dire? 150 par coup avec la protection bouclier? Attends, mais c'est... Je comprends rien. Je comprends rien. Comment j'ai fait pour mourir?
Oh non, putain, on avait la run du siècle. Je suis dégoûté. Ah, franchement, je suis dégoûté. Putain. Marteau de bronze. Marteau de smo. Gilet de cuir. Cuir. Oh putain, mais comment j'ai fait pour mourir, quoi? Bon, fabriqué. Pendentif de l'archer. Inflige des dégâts de lancer supplémentaires lorsque votre vie est élevée. Oh, c'est pas mal, ça. Succès de vouillé artisan 2. Putain, mais comment j'ai fait pour mourir? Je suis... Ah, le livre! Le livre! On va mettre le livre. Replacez le livre. Bonjour paysan, je suis le collectionneur. Mon nom est Grisjoal et je travaille pour l'archimage. Comme vous pouvez le voir, je collectionne les créatures venant des profondeurs de l'Endermite. Il y a tellement de créatures fascinantes, hein, chacun côté, chacun doté de merveilleuses attitudes et capacités. Si vous trouvez les jeunes, venez me les apporter, je les cuisinerai. Venez, je ferai éclore pour vous. Bah tiens. Vieilli et fermenté pendant des éons. 70, il faut 70 de thorium. Putain la vache. Mystérieuse créature. Chapardeur. Il est tout mignon. D'accord. Carcol. Yo. Yo. Et du coup, c'est lui qui va me changer mes trucs. Obtenir oiseau de feu. Un oiseau au caractère enflammé. Un oiseau légendaire adoré comme un demi-dieu dans les déserts aux... lointains d'Orient. Je peux changer. Je veux chanter. Je peux changer pour un autre. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fait? Familier. Il me dit rien de plus. Ah si. Éruption. L'oiseau de feu lancera parfois des boules de feu. Yes. Des boules de feu sur les ennemis. Ah. Harmonisation avec le feu. Réduit les dégâts de feu reçus et permet à l'oiseau de feu ainsi qu'aux paysans d'infliger des dégâts de feu accrus. Ah, embrasement. La durée d'embrasement des ennemis est augmentée. Oh. Trop bien. D'accord, par contre, il ramasse pas l'or. Voilà. Donc, j'imagine que niveau 3, ça va être quelque chose. Mais du coup, il augmente ses... il augmente de niveau quand il tire ou quand même pareil quand on récupère de l'or. Ça, il va falloir chercher. Et du coup, l'esprit... Le paysan obtient un emplacement de potion supplémentaire. D'accord. Le paysan a une chance de trouver une potion supplémentaire. Comme d'accord. Unomas. Lorsque vous buvez une potion, l'esprit lâchera occasionnellement une autre potion. Wow, c'est vraiment un truc pour les potions. C'est pas mon truc. Je pense que lui, je vais l'utiliser. L'oiseau de feu, il va être cool, je pense. Hein. Quand tu as cassé l'urne... Des celles, tes PV max sont tombés à 1. Je me demande pas pourquoi j'ai vu ça sur le replay. Oh, je crois savoir pourquoi. Ça devait avoir un rapport avec le coffre que j'ai récupéré, le coffre du attention, et qu'il y avait un timer dessus. Et du coup, s'il tombe à 0, je tombe à 1 PV. Putain, on est mort à cause d'un objet qu'on connaissait pas! Chier! Merde! Putain. Je suis dégoûté. Bon, au moins, on a débloqué des trucs, hein, c'est plutôt cool. Il me reste 740. Pas assez pour prendre une augmentation définitive. Bah tiens, on va préparer une petite convulsion. 100 de sel, t'invoques une larve. Potion d'immolation, brûle les ennemis proches. Ah bah, ça synergise pas mal avec mon petit oiseau. Enduisez-vous de flammes vivantes qui se répartissent de la chair de vos ennemis. Répéteront de la chair de vos ennemis. Crème ankylosante, réduit les dégâts reçus. Ah, c'est pas mal ça. Licor fantomatique permet de se soigner sur la durée pour chaque malédiction portée. Ah. Pas mal ça. Je la prends. Succès de vouvrier, chimiste 2. Ok. Augmente la durée des potions. Non, je trompe de touche. Ok. Eh bah écoutez, bah ça va se terminer ici. Putain, grosse VOD. Tout allait bien jusqu'à ce que ça aille plus. Hein. Oh, secours, quoi. Calice de coffre de marde. Ouais, bah, complètement. Putain.
Ah, plus jamais je prendrai ce coffre à la con. Hein. Plus jamais de ma vie. Hein. Parce que je pense que c'est ça qui m'a buté. En tout cas, YouTube, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. C'est le cas, évidemment. Tu la partages et tu mets un pouce. Sinon, je te fais un doigt choqué. Je te dis à la prochaine.